Et bonsoir. Alors, on va continuer sur X-Point. Ouh, malgré les 128 lives où j'ai dit que j'allais perdre, j'ai toujours pas perdu, hein. Bon, je vous promets, une fois qu'on aura fini ce jeu-là, on passera à Pathfinder un peu plus conséquent que juste le week-end. Je pense que ça sera du Pathfinder à peu près tout le temps. Je pense. À moins que je trouve un autre jeu qui me tente vraiment beaucoup. Mais pour le moment, c'est mal parti. J'ai pas encore rencontré ces saloperies, je crois. Je suis en train de me dire. Je suis en train de tilter, mais cette saloperie-là, je l'ai pas encore rencontrée. Il y a plein de saloperies que j'ai pas encore rencontrées chez les aliens. Alors, du coup. Compléter la recherche. Bon, on va compléter la recherche. Hein. Alors, on est à combien? On est à 18% de la défaite par rapport à ça. Phoenix Echo, c'est laquelle, la Phoenix Echo? Vraiment, X-Point, c'est celle-là. Phoenix RD. C'est un véhicule, ça, à aller rechercher. Attendez. C'est déplacé, on va aller voir ce que c'est. Campement avancé, c'est celle-là. RLS, c'est celle-là. Ouais, je suis en train de chercher laquelle ils appellent Echo, hein, j'en ai tellement de bases maintenant. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est Charlie. Delta. Echo, ouais, bah vu où t'es placé, ma petite, je mettrai plus de 24 heures à te rejoindre. Merde, j'ai perdu mon vaisseau, il est où? Il est là. Alors. Ok, mais il n'y avait pas un symbole haut. Bon, c'est pas grave. C'est toujours bon à prendre un deuxième. Deuxième tireur. Oui, bah vous attendrez la truc dans tant de temps, hein, écoutez. Oh putain. Non mais... Un, c'est à perpète. Et deux, c'est défaite quasi assurée. Il y a un moment, il faut arrêter. Ah oh, putain, ça évolue encore. Ah, maintenant c'est des fusils à pompe. Super! Bon, ça j'en ai déjà rencontré. IA centralisée, ouais. J'ai pas assez de masse, j'ai pas assez de trucs. Bon bah. Parfait! Parfait! Alors on va continuer là. La recherche du truc, je récupère mon infusion moi, pour l'instant là. On va continuer ces deux-là. Eh bah tu m'étonnes, mais c'était sûr, c'était sûr. Ah, les mecs, ils commencent, ils ont un quart de chance de victoire. Hein. Alors, arme virale. Ouais. C'était tout? Ah. Ok. Ah mais c'était vraiment tout quoi, il y avait... À commencer la mission, on va défendre la base quand même. En espérant qu'il n'y ait pas trop de gros. Ça me fait penser, le Wizbot, il déconne, hein. 8 minutes et il a toujours pas signalé que j'étais en live sur mon Discord. Ça, c'est un truc qui me fait marrer, le Wizbot qui, de temps en temps, en 2 secondes, il te dit, hey, c'est bon, t'es en live, et de temps en temps, c'est en mode,
Ouais, non, bah attendre. Ça fait 15 minutes que t'es en live. Oui, bah c'est pas grave. Alors, oui, j'avais pensé à mettre le son du jeu. Je viens de vérifier. Bon, après, vous auriez pas loupé grand-chose. Alors. Ok, non mais attends. Moi, ce que je veux voir, c'est qu'est-ce qu'il y a comme saloperie. Deux sirènes déjà. Dont une bling bling. Voilà, un harton peste. J'ai quoi dans la trajectoire de ces saloperies? Mes snipers. Ouais, c'est pas la. C'est pas la joie, quoi, en vrai. Toute façon, il doit venir ici, il va se planquer là. On va les mettre de chaque côté hein, pour le moment. Ça me fait un peu chier parce que j'ai vraiment personne pour. Ah, ils ont même pas de soin eux. Ah, c'est lui. Shake it. Voilà, donc lui, hop. Eh ben, hey, tu vas peut-être pas rester droit devant leur zone de tir, quoi. Il y a un moment, c'est bien de vouloir se battre. Il y a un moment, c'est mieux de vouloir survivre. C'est encore mieux de savoir viser, les mecs. Moi je dis ça, je dis rien. Toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligé de reculer. Donc, voilà. Non mais c'est elle que t'as commencé à pourrir, alors continue, hein. Merde. Let's go. J'espère qu'il n'y a pas trop de corrupteurs. C'est surtout ça qui m'inquiète. D'où les deux en protection. Ah bah t'es chaud. Ça va. Ennemi détecté, il va tirer. Il a fait un peu mal, mais sans plus. En vrai, lui, il m'inquiète moyennement. Lui aussi. Bon, après, s'ils s'acharnent tous sur le même, ça va commencer à me déranger. Ça, c'est autre chose. Elle me dérange vraiment. Voilà, déjà un tir. Deux tirs. Oh le con! Alors, on va direct redémarrer la truc. J'avais pas du tout tilté qu'en mettant là. Il allait juste se faire flaguer. Ouais, non, il faut que les fasse fuir. J'ai pas le choix en fait. Les deux sirènes sont trop chiantes. Ou sinon. Ouais, j'ai l'autre idée. J'ai trois snipers, potentiellement je peux flinguer une tête. Je les fais bah, reculer et pouvoir tirer en même temps. On va tenter comme ça. Comme ça, en reculant, je tire. Si je flingue les têtes, elles peuvent plus prendre de contrôle. Elles perdent, je vais dire, ouais, 60% de leur efficacité, quoi. Bon, après, elles restent dangereuses au corps à corps. C'est pour ça que je dis que 60%. Oh, la merde. Hey, ils m'ont placé deux snipers à ce niveau-là. Ok. Bon, après, il n'y a pas de sirène détectée. Sérieusement? Sérieusement, t'es gentil, mais... Non, merci, quoi.
Allez, vous allez combattre. Il y a un corrupteur. Il y a un corrupteur, il y a un corrupteur, il y a un corrupteur. Ok. Eh ben, j'ai bien fait de mettre un mec en arrière avec possibilité d'asphalter. Pareil pour elle. Si un corrupteur approche, ça devrait bien se faire flinguer. C'est le bon côté de la chose. Voilà, j'ai placé mes snipers. Lui, là, il va pas tout de suite rentrer. En fait, je vais faire un blocus ici, quoi. En alternant les positions de Mégus. Alors, il faut pas trop qu'il soit dans la ligne de tir en même temps que son pote. Ouais, techniquement, il n'a pas de ligne de tir qui feront qu'il va canarder son pote par rapport à la dernière fois. Faut dire que la dernière fois, j'ai placé le mec avant de placer les autres. Bon, là, il va tirer. C'est un fusil à pompe à longue portée, c'est pas trop problématique. Bah, lui, il va venir et il va enclencher toutes mes tirs de. Yes! Il m'en reste un. C'est un avantage parce qu'en en ayant encore un qui peut agir, si les corrupteurs approchent trop, hop! Il se fera flinguer direct. Et là, j'ai les snipers qui sont en position, donc c'est parfait. Ah bah oui. Ah là par contre, hein. Oui bah mets ton bouclier mec. Ça dérange pas. Il a quoi comme arme lui? C'est un fusil d'assaut? C'est un fusil d'échec. C'est pas trop grave. Ok, il y a deux corrupteurs. Ça peut pas passer par là de toute façon. Alors, on va commencer par autre chose. Par copain gros lourd. Voilà. J'en ai touché deux, c'est parfait. Et maintenant, il va reculer. Voilà. Il a fait ce qu'il devait. Alors attendez, non, gnan, 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 ah. J'ai pété les caisses derrière, mais lui, je l'ai même pas inquiété. Voilà, là je l'ai inquiété, et en plus je vais niquer son torse de régénération, c'est parfait. Oh, c'est pas bien là s'il y a celui derrière. Voilà, là j'ai un barrage anti-corrupteur, même s'il y en a que deux. Ah, lui, il est presque mort là, le. Celui-là. Ah, il a fait mal le con! Enclenche pas les trucs, enclenche pas les trucs. T'es pas là pour ça, toi. Ouais, normal.
Ah, c'est con, hein, tu m'as cassé ma lampe. Oh putain, j'ai peur. Ah bah là, t'as pris la foudre, hein, t'as pris Bagdad. Et moi aussi, je vais prendre Bagdad. Ouf! Ah, la tête, il me l'a défoncé. Ouais, je m'y attendais, quoi. Voilà. Il a perdu d'efficacité. Armement détruit, c'est parfait. Toi, t'as une meilleure ligne de tir ou pas? À peine mieux, quoi. Voilà, ça c'est fait. Ouais, tu peux peut-être le faire, mais t'as pas bien de vie, toi. Oui, il saigne encore, ouais, il est mort au prochain tour, du coup, c'est pas intéressant de tirer dessus. Plus intéressant de faire ça, et lui, du coup, il a une petite meilleure vue quand même. Voilà, l'arme de tir en moins. Si ça c'est type abo. Et après tu vas te placer là. Comme ça au tour d'après tu vas soigner ton pote. Toi tu vas te placer là. Tu vas canarder un peu. Voilà, nickel! Ah, il y en a un nouveau qui arrive! Ça devrait le faire! Alors lui, pareil, ça devrait le faire. En vrai, eux, ces deux-là, je les ai tellement limités que... Normal. Normal, normal, j'accepte, j'approuve. Lui, il va me faire la même en théorie. Ah là, ça va commencer. Ça va faire mal hein, au prochain tour pour lui. Il va falloir vite que je le fasse courir jusqu'à ses potes. Ou que ses potes courent jusqu'à lui, au choix. Hein. Allez hop, couché, toi tu sers plus à rien. Et hop, ça c'est fait aussi. Se déplacer. Viser, feu. Oh, il est mort au prochain tour. J'ai plus besoin de me faire chier à m'acharner dessus. On va voir après pour le déplacer. Lui. J'ai gagné? Ah. Je me disais merde, j'ai gagné! Ouais, non, il peut rien faire. Autant qu'il attende. Et j'ai cassé ma ligne de vue pour le sniper derrière, je suis con.
Là, tu vas me dire, est-ce qu'il avait un tir intéressant? Il a touché ou il a eu à côté? Il a eu à côté, dommage. Dommage, ça c'était un tir qui aurait pu être intéressant. Hop. Ah, il a du tir de contre-charge. Il lui reste qu'une action. Hop, on va booster tout le monde en défense. Puis c'est bon, lui, du coup. J'ai joué au con. Hein. J'avoue qu'il était déjà blessé, j'ai joué un peu au con. Eh, c'est vrai qu'en plus il a une moins bonne précision parce que il s'est fait exploser la tête. J'avais oublié le détail. Ah! Merde! J'avais pas tilté qu'il y avait cette merde qui allait apparaître. J'espère que c'est le seul. Après, j'ai deux mecs à côté, je vais pouvoir les flinguer. J'ai l'escouade qui est quand même bien en termes de tir pour les contenir, ces deux-là. Sachant qu'il y en a un qui est loin, donc ça va le faire. Eh merde, pourquoi il crache? J'ai plus d'antipoison. Ah, tue-moi celui-là, s'il te plaît, l'empoisonné, ça m'arrangerait. Merci! Il est mort. Non, moins merci. Oh bah alors là. Ouais bah normal. Putain! Mais c'est quoi ça? Aura toujours une arme de plus, hein. Venir le faire ce... Ah merde, je l'avais pas vu. Équipement endommagé, c'est pas bien grave. Il a tiré sur son pote, ça c'est cool par contre. Non. Voilà, là c'est mieux parce qu'il est derrière pour le soigner et surtout il casse pas les lignes de vue des snipers. Merde. Allez hop, on renforce l'armure. En fait, là c'est nickel parce que comme il tire sur celui qui est derrière, c'est tout bénef. Hey. Arrête d'avoir la tremblante, mon petit. Je sais que t'as plus de tête, mais quand même. Voilà. Techniquement, il reste un corrupteur, les deux petits saligots. Le corrupteur, il pourra pas approcher en fait. Je voulais péter son lance-grenade parce que là, je suis quand même, mine de rien, assez groupé avec eux.
Ah l'enculé, il s'est planqué. Oh! Mais oui, mon loulou, reste, t'inquiète pas, j'ai une baltos avec ton ongle, avais-tu, petit corrupteur? Non, mais il se rend compte de ce qu'il fait? Voilà, ça c'est fait. Oh, c'est cette petite merde qu'il faut que j'abatte. Voilà, ça c'est fait. Et voilà, t'auras une action de moins, toi. Là, t'as une possibilité de tir. Ça va être mine de rien assez faible, mais bon. Pour en avoir un nombre de tirs. Ouais, bon, on va le déplacer bien. Si tu bouges, je te tire dessus. Lui, on va commencer à le rapprocher parce que comme ça, il va pouvoir avoir les soins pour tout le monde. Il sera plus proche pour les distribuer. Attends, on va te replacer là, comme ça, au tour d'après, tu vas pouvoir commencer à canarder aussi. Et puis en même temps, petit boost pour tout le monde. Point de volonté, il lui en reste plus beaucoup. Et toi, est-ce que je peux t'amener à un endroit où tu as une ligne de tir? Ouais, ici. Voilà, son arme principale est détruite. Il reste le lance-grenade qui va me faire chier. Il a fui le con! Attends qu'à faire, hein. La tête c'est une de ses autres armes qui reste. Voilà, ça c'est fait. Il pourra rien faire de plus ce tour-ci. Boum! Couchez le petit! Ils ont à peine mis les pieds dans la base. Et ils ont trempé, ils ont mis leurs pieds ventousés, dégueulasses, de monstres. Ils ont fait, on va attaquer cette base. Et là, ils ont vu la défense et ils ont fait, eh merde! Fais le job du bot, ça m'éclate. Ah, ça c'est fait. Donc du coup on a sauvé, on a récupéré tout ça. Oui, bah le matos du soldat mort. Ah, ça valait bien le coup que je l'engage, hein. En vrai, je sais même pas si c'est celui que vient d'engager qui vient de décéder comme une grosse merde. Voilà. Il me propose quoi? Un technicien. Je m'en bats les couilles, frère. Non mais réellement, hein, c'est pas contre lui. Mais il y a un moment, regarde, lui, il a même pas d'arme.
Ah, lui, il a une arme. Il a une arme, il n'a pas de munitions, mais il a une arme. Ah, je pourrais faire ça, qui peut être bien. Attendez. Quand même vérifier. Tu bottes en touche, ouais? Ah ouais, le bot, il est en PLS. Comment ça va, Lucos? Je sais pas, hein, ça fait quand même ouais, 30 minutes que je suis en live. Le bot, il a toujours pas tilté, hein. Qu'est-ce que je voulais regarder? Lui, il est taqué partout. Bon, on va lui donner des compétences, hein. Écoutez. Ça coûte cher. Tu prends. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. Au max partout, elle aussi. Ça fait chier, quoi. Pourquoi t'as ça en réserve? J'ai un peu avancé sur Pathfinder. Alors, moi, depuis le dernier live, je n'y ai pas retouché. Si, j'ai juste créé une nouvelle campagne, enfin, un nouveau scénar avec un Duelist Eltori, juste pour voir ce que ça allait changer. Je suis même pas sûr d'avancer trop avec cette mission, j'avoue. Voilà où j'en suis. Eh hey mec, tu peux être blindé lourd. Sinon, bah rien de neuf. Ah bah pas de chance. Voilà. Moi j'aime bien quand c'est marqué max. Tac, tac. Bah voilà. Il faudrait que je me fabrique des munitions. Non, pas que des munitions comme ça. Pas ces munitions-là non plus. Ah, il y a... Faudrait des munitions comme ça. Non, pas ça. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il me faut. Faut des chargeurs comme ça. Grenade purifiante. Non. Il manque des choses, je suis sûr, mais je sais pas quoi. Delta, dans 24 heures. La Delta, c'est laquelle? Je crois qu'elle est. Ouais, non, elle est à perpète, on s'en fout. On se concentre là-dessus pour le moment. Après, on réparera ce qu'il y a besoin. L'équipe de l'oiseau de foudre 2. Ouais, bah, tu maintiens de l'autre côté, non? Aha! Elle peut level up! Demain, je sens que je vais me marrer. La conseillère pédagogique va être obligée de faire une animation sur le terrain car sinon je suis seul pour 30 gamins. Ça peut être marrant si elle sait pas s'y prendre. Sauf que c'est un rond de cuir. Ça va être très marrant pour toi. Profite, enjoy! Alors, ouais.
Moi, je sens que demain, par contre, je vais faire bah, comme depuis le début de la semaine, me faire chier. Pour être poli, hein. Et. Niveau taf, c'est pas la folie, hein. C'est pas folichon. J'ai bien envie d'en mettre un. Que moi je serais le cul sur une chaise à créer des cartes magiques avec les gosses. Ah oui, donc tu pourras vraiment enjoy. Immuniser contre le contrôle mental? Juste pour me triper, hein, c'est le premier que je crée comme ça. J'espère que ça sera bien. Ah, attends, du coup, ouais, je m'en fous. Kit de réparation. Ah, j'ai plus ce qu'il faut. T'es tombé sur un jeu OVNI? Vas-y, raconte. Vends-moi du rêve. Seven Day Origins. Alors, Seven Day, je connais, mais Seven Days Origins, c'est quoi? C'est ce qui se passe avant le jeu Seven Days? Où t'as les herdes de zombies qui t'attaquent? Et j'espère qu'en tombant, tu t'es pas fait trop mal, hein. C'est dégueulasse! J'en ai encore jamais rencontré des comme ça. Peu importe la forme. C'est dégueulasse! Pareil, j'en ai jamais rencontré des comme ça. Et je suis pas, j'ai pas envie d'en rencontrer. Ah mais je peux pas y aller alors. Ah, nouvelle recrue disponible. Base commémorative Smile, c'est laquelle? C'est celle-là haut? Ouais, je peux peut-être y aller. Attends, il reste de la place dans le réseau de guerre. C'est laquelle? Je suis con. Voilà. Attends, je vais regarder si t'as mis un truc sur le Discord. Non, t'as pas mis. Alors techniquement, l'assaut arrivera avant que j'aie réussi ma recherche. Tiens, en fait. Voilà, t'as des munitions. Non, parce que c'est gentil de lui donner ça, mais s'il n'y a pas de munitions, t'as l'air con, quoi. D'accord, en fait, dès qu'il a les trois objets occupés, il considère que c'est bon. Ok.
À commencer la mission, oui, on va essayer de défendre un peu notre base, quoi, pour une fois. Ton perso est ramené à la vie pour 7 jours, c'est tout ce qu'il sait. Le reste, c'est à toi de décider et de réagir aux actes de ceux qui croisent et qui auront une mission qui dit. Oh, au début. Hein? C'est. C'est l'air space? Très space. Faudrait que je lise plus le synoptique que juste le résumé que tu m'en fais là, parce que là, comme ça m'a l'air, mais. Ultra bizarre. Alors attends, c'est par où? C'est par là. Je commence avec un sniper. Bon bah. Il n'y a rien de plus. Ok. C'est méga chelou, mais bon. Allez hop, torse désactivé, ça c'est fait. Attendant. Si vous utilisez chacun de vos choix change le déroulement de l'histoire, le moindre choix s'additionne pour transformer en relation avec vos camarades. C'est ainsi. Bon, ça peut être sympa quoi. Mais après là c'est vrai que comme ça. Un lieu où se rassemblent ceux qui cherchent une opportunité unique dans la structure du temps, les membres deviennent amis ou se révèlent ennemis selon leur mission. Kirel, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Attends. Deviennent amis. Kirel, notre protagoniste amnésique qui a oublié jusqu'à son propre nom et mis à l'épreuve, tout dépend de vos choix. Vous n'avez que 4 jours, quel choix ferez-vous? Un principe de jeu décontracté au format messagerie instantanée, aventure textuelle mystérieuse, vos choix ont un impact sur l'histoire et les relations entre les personnages. Chaque personnage a son propre secret, sa propre histoire, de nombreux défis, objets à collectionner, une histoire à plusieurs épisodes avec des chemins de ramification. Non, à 4 fins différentes. Bah ça peut être sympa parce que du coup t'as de la rejouabilité, après je sais pas à combien il est ce jeu. En vrai. Ah bah ouais, ils m'ont mis un sniper à perpète parce que c'est pas marrant sinon. Il pourrait être utile. Attends, t'es où, t'es là? Bah en vrai, dans ton renfoncement, t'es bien. Ah. Ouais. Après, ça dépend du temps de jeu qu'il faut pour faire une fin. J'ai envie de dire, mais. Mais ils me l'ont mis encore plus loin, lui! En vrai, et regarde, si pour une fin tu mets 3 heures à la débloquer, comme il y a 4 fins, c'est bon, t'as largement rentabilisé ton jeu. Hein. Attends, c'est quoi déjà qu'il y a quand même lui? Un fusil d'assaut. Tueurs, ouais, les tueurs, il faut que je les gomme en priorité en fait. Voilà, un tueur en moins. Ça, c'est bien. Et s'il approche trop près, hop, il se prendra une balle. Alors, un ennemi de plus, c'est pas un problème. En vrai, c'est totalement gérable. Ah oh, fuck. Ça va, ça a pas fait si mal que ça. Ok, donc là, les tueurs font leur nuée de fumée. Il a quitté le nuage, donc ça, c'est bien. Et de là où il est, il pourra pas faire grand-chose. Il sera obligé à chaque fois de se redéplacer. En vrai, comme ils ont un couloir à passer, c'est à mon avantage. C'est-à-dire que là, j'ai plus qu'à sonner un repli et puis voilà. Voilà, pendant ce temps-là, les autres canardent et. Et c'est tout bon. Alors lui, il va mourir avec le temps, c'est bien. Putain, mais j'en ai ras. Ouch.
Ok. Tu les as touchés, c'est tant mieux, sinon tant pis. Successful. Ok. Aïe, désolé. Voilà, alors entre le viral, le poison et tout, il y a moyen qu'il en meure. Bon, on n'est pas comme ça, nous, dans le coin. On aime bien s'assurer la victoire. Voilà, son niveau de dangerosité a drastiquement faibli. Hop là! Hop, lui. Il fait un repli. Sinon, ce soir est un grand soir. Un ami va sans doute en live devoir manger un nounours piment. Défi des 1000 subs, sauf que ce nounours est mortel. Tu connais l'échelle de Sokoville? Non, je connais pas l'échelle de Sokoville. Mais un nounours au piment qui peut être mortel. Mais à quelle maman? À quel moment tu te dis, tiens, les mecs m'ont filé assez de sous pour que je risque ma vie? Non, mais je me poserais sérieusement la question. À quel moment tu peux te dire que c'est une bonne chose de risquer de ta vie pour ça? Oui, il va en manger un micro-micro-bout. D'accord. Ouais, enfin malgré tout, hein. Malgré tout, quand est-ce que tu te dis c'est un bon truc à faire, c'est un bon move. Lui, il a pris un peu la foudre, hein, dans la gueule. Oh putain, s'il survit, c'est au poil de cul, hein. Ah, il s'acharne encore dessus. Et à 9 sur l'échelle de Sokoville au piment le plus fort du monde. Ouf. Et à 1. 1M. T'as pas oublié un truc. Ah oui, maintenant le nounours c'est à 9. Et le piment est. Mais comment ils font pour que ça soit plus fort que le nounours tout seul? Bon, ils commencent à me saouler les autres à pouvoir me canarder à distance, hein. En fait, ce qui me saoule, c'est surtout qu'ils ont aucune ligne de vue, quoi. Alors que si tu vois, si je fais un tir comme ça va pas toucher. Ah si. Ça a l'air d'avoir touché quelque chose. Non, pas à côté du fioul. 9 millions, 1 million. Ouais, mais comment ils font pour le rendre un truc déjà dangereux, encore un poil plus dangereux? C'est ça, moi, que je m'explique pas. Tout est ramassé, rien n'est perdu.
Comment tu sais si j'ai touché ou pas là? Ça m'énerve. Attends, dans le doute où il commence à lancer de la grenade. Voilà! Pas de bol, il fallait pas t'approcher! Ah bah oui, il va te cacher, de toute façon tu pourras pas rentrer. Oui, c'est ça, attends. De toute façon, je peux voir grâce au rediff. Alors moi, le poivron, paprika doux, ça, sans problème. Sauce tabasco verte, je crois que j'ai pas goûté. Ah bah j'ai goûté la rouge, donc ça c'est bon. Piment jalapenos, j'en ai déjà goûté. Ah, il est mort lui. Du piment de cayenne, pas pur, mais découpé en petits morceaux, j'ai déjà goûté. Du coup. Et après, au-dessus, je suis pas sûr. Et à chaque fois, ça n'a pas dû être du pur, hein. Ça a dû être du recoupé. Hein. Genre piment de cayenne, c'est la poudre de piment de cayenne que tu peux mettre sur ton steak ou autre chose. Ah bah vous êtes obligé de vous approcher, moi ça m'arrange. Hein. Voilà, toi t'es mort. Au prochain tour, t'es mort. Ah, c'est pas dur, hein. Et le nounours, c'est ça. Attends, j'ai envie de voir la gueule de ton nounours là. Il doit être rouge pétant. Mais il va s'arracher la gueule, quoi. Alors moi, déjà, ce qui m'étonne, c'est qu'ils mettent en vente un nounours qui peut te tuer. Hein, je dois être très con dans ma façon de penser, mais. Allez, toi, si tu bouges, tu vas te prendre du tir. Tu vas pas passer un tour. Ah ouais, mais il y en a. Il va. Ouais, enfin bon, quand même. Je sais pas. Couché. Pas encore. Un peu quand même, hein, il va quand même le tester, le bestiau, au final. Hein. Le truc, il a fait un tour, il a foncé dans le tas et il s'est pris une Bagdad dans son fion. Vais décaler le tireur là pour que. Voilà, ça c'est fait, il va mourir aussi au prochain tour. Le problème, c'est les tireurs d'élite là qui commencent à me les briser. Donc ces deux-là déjà, mais il y a un tireur d'élite encore là-haut. Ah bah non, il est là. J'ai rien dit. Ça peut se tenter. Ah, il y en avait encore un comme ça? Le mec qui débarque. Ah, il y en avait encore un comme ça? Et lui, je pense que quand il meurt, il va redonner naissance à un autre. Triton de rétraqué, ouais. Donc là, c'est des tirs normaux, lui. Enfin, c'est un fusil d'assaut. Ouais, lui c'est fait. Oh bah non, hein.
Le gars que j'ai acheté samedi, des nems et du riz cantonais, je suis à mon troisième repas dessus, il m'en reste 8 nems et 1 kg de riz. Mais t'as acheté combien de riz? Mec, pour qu'il t'en reste, t'as acheté combien? Voilà, la tête est inutilisable, parfait. Et l'autre bras aussi. Ah, tu t'es acheté 8 nems et 1 kilo de riz? C'est pas ce qui te reste? D'accord. Ouais, bah d'un autre côté, 1 kilo de riz, ça s'écoule pas en un repas avec, hein. Il en faut au moins, je pense, ouais, facile 2. Ça c'est fait, les deux sont morts. Est-ce que celui-là va me redonner une saloperie? Ça a pas l'air. Si, préparation et merde. C'est-à-dire que celui-là va me redonner une saloperie. Celui-là, il a pris un peu plus cher. Ah bah lui, il va prendre Bagdad dans son fion, hein, je l'annonce. Ça éclate, il tire, mais il a aucune chance de toucher son pote, lui. Alors que moi, si je tire et que j'ai des chances de toucher mon pote, ils vont m'en mettre des balles dans mon pote. Il est couché. Alors attends. Oups! Je cire Twitter. Une blague originale, vas-y, balance. Je sais pas si t'as lu celle que j'ai balancée dans le... sur le Discord. Elle m'a particulièrement fait rigoler hein, ce matin quand je l'ai découvert. Non mais... Ah, les chances de tir, tu parles, t'appelles ça des chances de toucher là? Alors attends. Regardons. When someone asks what... Oh putain, je viens de la comprendre. Je viens de la comprendre, j'ai mis un petit temps quand même à la comprendre. En mode, mais pourquoi il met une vache verte? Et puis après, Moscou, ah oui. Putain, il lui reste 7 vies! Putain, il m'a tué à ça de vie, quoi! La game, elle est nulle! J'ai perdu 2 personnes dans cette game! Dont un qui était bien! Un que j'avais depuis le début! Ouf!
Il est mort. Fait, je viens de regarder combien il va prendre de blessures et techniquement, ils vont en crever. Oh! Attends, tu te rapproches en plus, mon salaud? Ah, il est étourdi en prime. La victoire a un goût amer quand même, hein. La victoire a un goût amer. La victoire a un goût très amer parce que j'ai quand même perdu deux soldats dans la mission. Ah, le Wizbot il est pété de chez pété, hein. Victoire à la Pyrrhus, ouais, c'est ça. Ouais, arrête de me dire victoire à la Pyrrhus, je l'ai déjà entendu plein de fois hier avec Total War. Ah, moi je récupère le matos, ça c'est cool. Ouais, mais c'est un lourd, c'est pas trop ce que je voudrais. Là, il y a un mec à recruter. Ah! It's just come to our attention that New Jericho has created an enslaved artificial intelligence, presumably to help West run his little military empire. We do not object to people choosing of their own free will to subscribe to West. Oh, mais... keep saying that New Jericho is about liberty. If it is, why wasn't this artificial intelligence given the right to join New Jericho? Allez, vous me les brisez là avec vos Camoros. Je peux pas le recruter. Chier. Et c'est pas du tout ce que je pensais du coup comme soldat, donc c'est pas bien grave. Eh ben on va aller là-haut. On va récupérer les deux soldats qui me restent là. Oh putain. Le mec est en slip. Le mec, je vais l'envoyer combattre en slip. Non mais t'as de la chance en fait là dans ton malheur. Voilà, t'as de la chance parce que heureusement que les mecs sont morts, ça t'a filé du matos. C'est triste à dire. Ah, t'as une arme pas chargée. Ah, c'est problématique si je te file des armes pas chargées, toi.
Ah, t'auras pas full munitions, mais voilà quoi. Non, c'est modifié unité que je veux. Je peux le custom. On va le reconnaître hein, maintenant. Ah putain. Il faut vite que je m'absente 2 secondes et je reviens vite. Mais je sais pas quoi faire de ce mec là pour l'équiper correctement. Allez, à tout de suite. Erreux. J'espère que j'étais assez rapide. Alors du coup, il faut que je complète la recherche pour trouver Nemesis. Ok, j'ai que ça à foutre. Bon bah. J'ai lancé, on est en duo là-dessus. On est parti, hein. La base Phoenix Charlie. Ouais, mais elle est trop loin, je m'en fous. Allez, 1% en moins. Ah tiens, bonne affaire, tu te souviens du jeu narratif à 20 boules que j'hésitais à prendre? Je viens de le trouver à 7 euros et un jeu à 15 balles et à 4 euros. Le jeu narratif à 20 boules, le 12 minutes là? C'est ça, hein, si je me trompe pas. Non, Lake. Je m'en souviens plus alors. Je m'en souviens plus, désolé. Ouais, si au lieu de 20 balles, tu le trouves à 7 balles, prends. Prends. C'est un investissement un peu moins important. Oui, c'est de nouveau en pause. J'ai une escouade et puis c'est tout. Hein. Le reste, j'ai plus rien. Hein. T'es dégueulasse, mec. Ok, ça va. Ça, clairement. Non, merci. C'est classe. Honnêtement, celui-là comme monstre, je le trouve ultra classe. Par rapport aux autres qui... Ça, je trouve ça dégueulasse. Ça, je trouve ça dégueulasse. Celui-là, je le trouve classe. Alors que celui-là, je le trouve dégueulasse. Hein. Que je peux accélérer la montée du temps, mais oui. M'en faut! Je m'en fous! Je vais avoir ça! Ok. Putain, il faut que je localise. J'ai une chance de finir le jeu sur une victoire. We're going in with the courage of our convictions. Sometimes a disease has to be cut out, and this is the time to make that cut. A surgical strike delivered by the satellite system we've managed to resurrect from nothing. The power of human intellect, driven by human will,
against the crude methods of the Ugothian entity. This is a critical moment. Oui, tu m'étonnes que c'est. According to our research, destroying the enemy's central command unit will throw them into disarray. That will be the turning point of this war. With the infrastructure you helped us build, we will be able to seize the advantage. And... Okay. We need to ensure that this attack is precisely delivered. That means a locator beacon, right down there in the middle of it all. Anyone who goes in needs to understand the numbers. If we win, humanity is saved. Oui, bah de toute façon, j'ai plus qu'une escouade. Alors moi, je veux juste savoir le plan. Ok. Je m'en fous. M'en fous. Alors, attends, non. Allez, attends. On sauvegarde. Fait tout émoustillé, on va peut-être finir sur une victoire ce jeu. Moi qui disais tout le temps, on perd, on perd, on perd. Oh tiens, Blunt N fut tout près, Battle Royale dans le... je sais. Oui, j'en ai entendu parler et j'ai déjà vu une vidéo de l'Inquéteracide dessus. Enfin, je crois que c'était l'Inquéteracide. Donc j'en ai entendu parler, je sais pas ce que ça vaut. C'est un Battle Royale, pour ceux qui aiment ou ceux qui aiment pas. Moi, ce que j'attends dans l'univers de Vampire, c'est Bloodline 2, bordel de merde. Hein, avec tous les repousses et tout qu'il y a eu, j'espère qu'il sera bien. Je l'ai préco depuis au moins 2 ans. Hein, je crois que je l'ai préco en 2019. Bien inspiré sur cette préco. Hein. En plus, j'ai pris l'édition. Donc il y a intérêt à ce qu'ils me le sortent et qu'il soit bien aux petits oignons. Hein. Cela avec les reports encore et encore. Alors attends. Prendre la balise. Allez là-haut. Prendre la balise. Tuer les gardiens des portes. Ok, mais attends, moi là... C'est par où que je dois aller? Je comprends pas la map, en fait. Ok. En gros, il faut que j'aille poser la balise ici. Easy peasy. Vraiment, on va avancer avec méthode. Hein. J'ai peur. C'est con. Hein. J'ai peur que ça soit des vagues d'ennemis assez conséquentes et que ça me bouffe toutes mes munitions. Petite crainte de ce niveau-là. Lui, la munition limitée, donc c'est franchement un avantage pour moi, mais. Attends, 0, 0. Bon, enfin, s'il y en a qu'un seul. Olé, Rodriguez!
1, 2, 3, 4, 5. Honnêtement, s'il y a ces 5 là pour passer cette porte, ça devrait le faire. Un des jeux que j'ai pris, c'est un RPG tout mignon où tu joues un chat. Ça me dit quelque chose. Il doit y avoir plusieurs RPG de chat, hein, donc. Ça se trouve, je pense pas au même que toi. Oh putain, il y en a comme ça par contre. Ça va être chiant. Là, il faut bien vous rendre compte que mon équipe, elle y va en mode... Là, c'est fini pour elle. Ils partent en mode. Ça bugue, j'ai rien entendu. Alors qu'est-ce que je disais? Que mon équipe, je l'envoyais en mode suicide. Ça, c'est un fait. C'est pas grave si, bah, ils s'y meurent tous, quoi. Ouais, j'ai bien alerté là. Hein. Faut dire que je lui ai mis une balle dans la tête. Généralement, ça alerte plutôt pas mal. Oui, bah, te fais pas chier, hein, empoisonne-le. Non, mais c'est quoi cette armada? J'aurai jamais assez de munitions pour tous les calmer, hein. Pour le jeu du chat, je pensais à un jeu de chat, mais ça se trouve, c'est pas celui-là que t'as pris. Non, mais sérieux, quoi. Ouais, bah là, je suis à peu près sûr de toucher quelque chose, quoi. Oh! Le non-dommage que j'ai fait. Ouais, non, c'est pas celui auquel je pensais. C'est atroce, hein, les non-dommages que je fais au boss, hein. C'est-à-dire que les petits, ça va pas être un problème, hein. Oh, ça me rate. Y en a un qui a touché. Ah putain, eh non mais c'est le dernier combat qui me reste à faire, mais comment je passe ça quoi? Ok, je veux bien que tu fasses pop des corrupteurs, mais il joue pas. Il joue pas ce tour-ci. Parce que s'il joue ce tour-ci, par contre, là, c'est abusé, le jeu. Ok, il semble pas vouloir jouer ce tour-ci. Tu vois, toutes ces petites merdes-là, c'est pas un problème. C'est nombreux, mais c'est pas un problème. Le gros problème, c'est le gros qui pop, qui fait pop. Et les deux petites merdes-là qui vont me cracher je sais pas quoi à la figure.
Ça, c'est avec les deux trucs à péter, mais qui vont m'en faire chier. Ah, c'est de la gelée qui tire, c'est bon! Ça, ouais, ça veut juste dire que je vais être bloqué, mais bon, derrière, ça va. Et vous vous rendez compte que je dois avoir un mec qui survit, qui passe les portes avec la baliste pour pouvoir gagner? Et que j'ai tout ça à battre déjà? Et que de l'autre côté des portes, je suppose qu'il y aura aussi pas mal de merde à affronter? Alors, en vrai, le plus chiant, c'est celui-là, je pense. Hein. Ceux-là, je pensais qu'ils allaient être plus chiants, mais ils mettent de la gelée, donc si je gère les autres, lui sera chiant. Enfin, les autres seront chiants, donc lui sera chiant, mais pas le reste. C'est con, il n'a pas les tirs de contre-charge. Enfin, c'est con et bien à la fois. Vous allez me dire. C'est bon? Ah putain, il y avait lui! Ah yes! Je l'avais pas vu! Ah, il y en a même deux! Trois! Ah non, ça sonne un autre. Autant pour moi! Ah, ils sont empoisonnés! Ouais, non mais je fais que dalle en dommage. On visait un autre hein, pendant ce temps-là. Ok, mauvaise cible. Ok, mauvaise cible encore. I like that. Check this out. Oh, attends. Est-ce que je peux... Voilà! On va booster un peu l'armure! Ouais, lui est mort, c'est déjà là, un de moins. Un mort! Voilà, on les fait saigner, c'est tout bénef. Je crois que la mission, je l'ai échouée. Hein. Ouais, j'en ai tué un. Ouf, j'en ai blessé deux autres qui vont saigner. Je lui tire dessus parce que je suis méchant.
Je crois que le live va s'arrêter beaucoup plus tôt que prévu parce que ça va me saouler de perdre cette mission parce que je vois pas du tout comment la gagner pour le moment. Réellement, là je vois aucun moyen de gagner. Parce que je vais cramer toutes mes munitions sur cette merde. Pendant ce temps-là, il y a toute l'armada derrière. Hein. Parce que là-dedans, il y a de la smada, hein. il y a de la merde. On va pas se le cacher. Donc entre lui à gérer et tous les autres petits là à gérer. Pff. En termes de munitions, je vois pas comment je m'en sors. Ah bah oui, là la grenade, c'est efficace face à moi. Pourquoi j'ai l'impression de me faire totalement baiser là? C'est dans le sens pas agréable de la chose. C'est du lait. Ouais, ils vont me péter mes armes et ils vont me... Entre l'armure et tout, je vois pas comment ils vont faire, enfin comment je vais m'en sortir. Alors ça déjà, hein, c'est chiant, hein, le gel. C'est pas... C'est à moitié chiant parce que ça fait pas de dommages, mais ça te met tellement dans une situation inconfortable que c'en est chiant. Je suis en train de me dire avec mon lance-grenade, il faudrait que je tire par là, comme ça je vais dégager la zone. Ça a tellement d'écho que si je tire là, je vais en toucher. Hein. Non mais honnêtement là, je table sur une, je me fais raser la table quoi. Ouais, ouais, tu perds du sang. C'est bien, qu'est-ce que tu veux que je foute? T'es gentil, mon loulou, mais on est totalement dans la merde. Hein, au sens plus ou moins propre. Donc tu peux me dire que tu perds du sang, ça va pas m'aider. Ah, si en plus je perds le contrôle de toi, ça va encore moins m'aider, hein, mais bon... Ah, j'ai touché au moins. Hein. Ouais, je pourrais utiliser la capacité pour qu'il fasse plus. Oh, mais mec. On va réfléchir après à toi. Est-ce que tu vas me servir? Parce que là, honnêtement, tu me sers à rien. Non mais attends, il a le droit à un tir de contre-charge parce que c'est pas un dégât direct sur lui quoi. Ouais bah soigne-toi hein. Le village du héros, village Patoon. Ah au moins il te monte pas sur la marchandise hein. Qu'est-ce qu'il va foutre lui avec son électrochoc? Honnêtement, qu'est-ce qu'il va me foutre avec un électrochoc? Voilà, tout ce qu'il peut faire, c'est ça. Allez, tase-le! Oh oui! Il est en mode suicide. Je vois pas ce que je peux faire de plus avec.
Ouais, j'ai pas bien compris son action là. Ouais, c'est bien. Continue de tirer dessus, c'est. Il va pondre. Ah, c'est bien, il le protège de son torse. De son torse velu, j'ai envie de dire, mais il n'est pas très velu. Non mais vous avez pas compris que lui il est en mode suicide. Ouais. Ah ouais, je sais qu'il est mort, hein. De toute façon il peut plus tirer donc. Ce n'est pas un problème. Tout ceci était purement calculé. Non mais en fait il va falloir que je détruise tout ce qui m'intéresse pas pour recrafter que des munitions, des trucs qui m'intéressent quoi. Non, c'est bon, je peux jouer? Non. J'ai quand même tué un seul et unique mec, hein. Je tiens à relever l'exploit. J'ai perdu mon lance-grenade. Hey, j'ai perdu mon porteur de baliste. Wouah! J'en ai blessé! Wouhou! Je suis un peu déçu, vous me l'avez pas encore tué, lui. Vous pourriez y mettre du vôtre, s'il vous plaît. Non, parce que comme vous avez déjà asphalté le reste de l'armée. Ah, nickel, vous m'avez fait perdre le contrôle de ce mec. Alors, j'ai le droit à qui? Bah non. Et pourquoi lui? Ah, il est en panique. Elle est pas morte, elle. Elle est morte? Oh putain. Bon bah vous savez quoi, hein? On recharge. Autant charger avant la campagne, hein, parce que là ça. Comment dire? Je me suis un peu fait souiller. Mais propre, hein! C'est-à-dire que comme vous avez pu voir, ils ont commencé par cracher un peu de liquide vert pour lubrifier la chose, et puis après ils ont fait un bon souillage en règle. Hein, histoire que ça passe tout seul. Puis ils en ont mis de la gelée, hein, ils ont pas hésité là-dessus. Putain. Non mais attends. Non mais attends, quoi! Il me faut un truc qui puisse faire masse dégâts. Le Goliath est sympa. Le canon L. Le canon L, c'est 200 de dégâts par cartouche. Hein. Pourquoi pas? Le missile Jericho, c'est de la merde. Lance-roguette mastodonte, ouais, sans dommage. Déchiquetage 20, c'est pas ouf, hein.
Comment je peux faire ça? Alors ça, on s'en fout. Façon, c'est pas dur, il faut que je récupère le maximum de ressources. Donc tout ce qui me sert à rien, c'est détruit. Tu peux t'en servir, tu t'en serviras. Munitions, mais j'ai pas l'arme, c'est très con ça. Il va falloir de ça. Alors, en fabrication, il me faut des munitions pour elle. Pour le canon, elle, il m'en faudrait deux ou trois. Des munitions pour le Goliath. Il m'en faudra aussi. Et là, t'as un vaisseau, tu peux pas me l'envoyer en aide?
Alors, c'est fabriqué ou pas? Voilà. On va retenter, hein. Et vous pillerez les morts, les mecs, hein. Je vous l'annonce. Est-ce que j'ai encore assez? Oui, je dois avoir assez pour ça. Voilà. On retente, hein. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Voilà, pour mettre du tort. J'ai besoin de grosses explosions, de dégâts de zone, donc autant tester là maintenant tout de suite. On n'est plus dans l'idée de capturer les monstres. Hein. Je m'en fous. Je m'en fous. Attaquez la truc de New Jericho si vous voulez. Je m'en fous. On va faire une sauvegarde de Live 13 bis. Parce que voilà. Je pense pas que j'aurai le temps de finir la. Je m'en fous, attaquer. Ouais, j'aurai pas le temps de la lancer et de la finir, donc on se la gardera pour bah, demain, je pense. Je vais juste finir mon équipement de lourd. Comment ça fait? Ok. Alors on sauvegarde là. Voilà, le 13 bis, c'est celui où j'ai de l'équipement. Et le live 13, c'est celui où s'il y a besoin, je peux recharger pour pouvoir redépenser mes sous autrement. Ça va être bien, ça nous permet d'avoir deux sauvegardes bien placées. C'est cool. Je suis réellement en train de me dire que c'est cool parce que je pensais pas arriver si loin, un, dans le jeu, et deux, réussir à la enfin, arriver à la mission finale. Je pensais que j'allais me prendre un game over bien plus tôt, surtout quand j'ai commencé à perdre les refuges. Maintenant, je pense que la mission, je vais la recommencer une paire de fois. Je pense pas que là, malgré l'équipement que j'ai fait pour la 13 bis, je puisse passer. Alors ouais, hein, ça se voit que j'ai prévu le passage en force. J'ai peut-être pas assez de soins. Peut-être pas assez de soins. Il y a le gros. Il y a le gros à gérer. Lui, il va me faire mal, le gros. Enfin, je sais pas, comme à chaque recharge, j'ai pas forcément la même configuration. Ça se trouve, j'aurais pas le gros, mais j'aurais d'autres choses à la place. Mais je pense qu'il y aura quand même un truc qui va me faire chier. Si c'est pas celui-là, ça sera une autre de ces variantes.
Donc voilà. Voilà. Donc demain, on teste de nouveau la mission finale sur Phoenix Point. Encore et encore et encore jusqu'à ce que 1, je réussisse, ou 2, j'en ai marre. Et j'abandonne. Ça serait quand même très con d'abandonner, sachant que je suis à la fin. Bon, sinon, pour savoir quand est-ce que je suis en live, le bot Twitch, enfin Twitch, hein, si vous me lâchez un petit follow, techniquement, doit vous informer en vous envoyant un petit mail. Il peut tomber dans vos spams, dans vos mails non importants, donc pas activer une notification sur votre téléphone ou dans votre PC. Voilà, ensuite, vous pouvez rejoindre le Discord avec la commande point d'exclamation Discord. Et en théorie, quand le bot veut bien, ben vous êtes informé de quand je suis en live. Aujourd'hui, il n'a pas voulu. Donc voilà, après, vous avez aussi les notifications de quand est-ce que je peux pas live pour raison X ou Y. Vous avez les informations sur la chaîne YouTube que je pense je vais essayer de mettre à jour tous les week-ends, mais je ne garantis pas non plus d'y arriver. On va essayer. Vous pourrez discuter avec moi et les autres du Discord de tout et de rien. On pourra même jouer tous ensemble de temps en temps. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, que j'ai pas proposé un Among Us. Faudrait que je vois. Faudrait que je vois. Donc voilà, en parlant de YouTube, vous pourrez voir la chaîne YouTube soit en cliquant dans la bio pour trouver la chaîne YouTube et le Discord, entre autres, soit en tapant la commande point d'exclamation YouTube. Je crois qu'il y a tous les let's play depuis Assassin's Creed, voire Cyberpunk. Attendez, je vais vérifier. Je sais qu'il n'y a pas Pathfinder Kingsmaker dans les let's play. Mais ça remonte déjà à un moment. Et alors. Hop. On regarde tout de suite. Hein. Ça mange pas de pain. Tac, tac, vos vidéos. Plus. Voilà, ça s'inscrit Valhalla. Et Cyberpunk, c'est les plus vieux qu'il y a sur le, en termes de let's play à revoir. Donc voilà. Programme de la semaine. Essayer de finir Phoenix Point. Dès qu'on le finit, on passe sur Pathfinder. Ce week-end, Pathfinder. Problème réglé, hein, dans tous les cas. Et voilà. Si je finis Phoenix Point cette semaine, je ne sais pas si la semaine prochaine je reprends un autre jeu que Pathfinder. Il faudra que je réfléchisse. Ça dépend de mon envie à beaucoup jouer à Pathfinder ou pas. Mais voilà. Maintenant. Maintenant qu'on a fait toutes les petites annonces classiques de fin de live sur qu'est-ce qui va se passer, comment savoir quand est-ce que je suis en live ou pas, on va regarder qu'est-ce que je peux, sur qui je peux vous envoyer. Alors, il y a Scrubble qui est sur Vampire The Masquerade Bloodline. Et il y a Brou Brunette qui est sur Gabriel Knight 2, chapitre 5 sur 6, ok. Ah bah tiens, Lucos, il y a Behemoth qui est sur Lake. Comme petit jeu, si tu as envie que je t'envoie dessus, à moins que tu l'aies déjà pris. Et t'as Clairoc qui est sur WoW 96. Une préférence? Ou tu veux aller voir Lake? J'ai pris. Ok, bah alors ça sert peut-être pas Rode. Eh ben on va t'envoyer chez Clairoc. Je regarde juste s'il est pas en fin de live, parce que ça serait con. Non, c'est bon, il est pas en fin de live. Et bah du coup je vais vous envoyer chez l'ami Clairoc, qui est très sympathique. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi ce live et je vous dis à une prochaine fois pour des nouvelles aventures.